Hey hey hey, coucou mes petits et bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord Unedit Challenge. Je crois que c'est le 84. Non. On s'approche timidement de la centaine. Et je pense que le challenge va dépasser les 100, mais de pas beaucoup. Je vois que c'est allumé dans cette baraque. Qu'est-ce qu'elle a la biche? Aïe aïe aïe! Elle a le monstre sous le lit. Enfin, ta sœur, t'avais pas aidé pour le monstre en fait? Viens vaporiser. Maintenant que Guenièvre est une grande fille. Non, non, tu vas réveiller personne. Tu viens là. Oh là là, ça commence. Ça commence, Millie, viens ici, Millie. Tu arrêtes de perdre ton temps à tergiverser. Mais pourquoi t'as peur en fait? Ta sœur, elle vient de faire le truc. Non, mais c'est complètement buggé. Reviens là, wesh. Tu peux vaporiser le monstre qu'elle regarde, ta sœur, parce que là, ça commence à bien faire. Tu vois, regarde, ta sœur est devant tes yeux que tu ne vois pas parce que tu n'es... Ah, 6h du matin. Tout ça pour ça. Voilà, voir ce qui se passe. Ok, toi tu retournes te coucher. Ouais, c'est bon, t'es rassurée. Eh, va dodo. Oh là là, ça commence, je vous jure que ça commence sur le chapeau de roue. Moana est déjà à la bourre. Parce qu'elle n'est pas réveillée, que les garçons ben, ont déjà faim. Eh oui, c'est des morphales, hein, les garçons. À cet âge-là, ça bouffe, hein. Bah toi tu peux quand même aller aux toilettes et puis toi... Non 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 non. Tu vas aller prendre un bain. J'ai dit non pour le frigo. Ah, ça suffit. Le temps que Anna fasse le taf. Parce qu'il est 8h, madame elle fait que se lever. Et puis si en plus elle reste bloquée dans les portes, on n'est pas sorti de l'auberge. Toi non plus tu vas pas manger. Toi voilà, mais tout le monde a faim en fait là. Oh là là, Anna, ça rien ne va. Bon bah du coup on essaie d'occuper les... Les gens de cette famille, ils discutent, ils sont des mamours, tout ça, mais c'est un peu n'importe quoi. Bon, Anna, tu as bientôt fini. Oh là là. Oh, Anna, t'as du taf aujourd'hui, moi, je te le dis, ma biche. Tu vas faire le manger. T'as un évier à réparer derrière. Dépêche-toi! Il est 9h du matin! Alléluia! Ah non, meuf, tu manges même pas? Tu nous feras pas l'honneur de manger? Tu vas aller réparer ça tout de suite? Et le... foyer pourra quand même venir manger. Non mais n'importe quoi. Voilà, lui il a pris de la salade et tout. Ah, Zen Shirley, ça sert à rien de s'énerver. Oh, demain c'est déjà le solstice d'été. C'est cool, ça veut dire que l'été arrive. Oh, super, le beau temps. Non, 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 mais qu'est-ce que je vois? Mais pourquoi tu veux faire la vaisselle? C'est bien, tu es une gentille fille, Guenièvre, mais non. Tu vas aller prendre un bain après. Oh là 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 là. Plus rien ne va hein, dans cette baraque. Voilà, moi Philibert, lui, il fait bien ses devoirs. Millie vient de se lever. Ah, c'est pas grave, va manger, Millie, sérieux. Non, puis va manger quelque chose qui vient d'être préparé. Ah, il m'épuise, c'est Sims, il m'épuise. Ah, il y a quelqu'un qui tape. Oh non, c'est Percy. Et toi, arrête de faire la vaisselle. C'est Percy. C'est Perceval. Mais il est tout beau, tout vieux. Il est beau, mais il est vieux. Ah oui, ça fait mal aux fesses, hein. Bon, Willem, je pense que tu vas aller promener le chien. Je pense que ça peut être pas mal. Tu vas lui parler. Oui, bah oui, oui, ma cocotte. T'as bien raison. Sois dans nos animaux. On va la promener. Une durée moyenne, c'est pas mal. Voilà, hein. Brandy. On n'a pas encore fait de conneries. C'est déjà pas mal. Comment ils vont, les gosses? Ça s'active un petit peu. Quelle est belle, notre Guenièvre. Elle est magnifique. Je pense que tu vas t'entraîner au violon. Bah... Ouais, ouais, bah oui, bah pour vos oreilles, hein, je sais que vous avez kiffé tout ça. Millie, elle joue... Ouais, la bonne va se laver, donc si tu pouvais t'enlever de là. Toi, si tu veux te laver, tu peux te... Oh là là, c'est dégueulasse. Tu peux te rafraîchir ici, ça te fera du bien. Et puis, Millie va avoir son anniversaire. Bientôt. Aïe, 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 Sigismond. Sigismond, Sigismond. On va le trucider, on va l'écarteler, on va le discipliner. Tout de suite. Petit con, Sigismond, Sigismond. Oh tiens, Millie, elle a entendu sa sœur jouer, s'est dit « Ah mais moi aussi, je vais faire comme ma grande sœur. » Aïe, aïe, aïe. Bah, elle est toujours pas très douée, hein, par contre. Alors qu'en vrai, Guenièvre, ça va mieux. Enfin, je veux dire, relativement mieux, quoi. Mais qu'est-ce que c'est? Mais tu vas pas laver la baignoire? Mais Althea, mais c'est pas possible d'être aussi bête. Et lui, il recommence. Mais c'est pas possible. Eh, tu vas être puni, toi. Oh, toi, on va te... Oh, discipliner. On va punir. Mettre au coin. On va punir pour amener le bazar, tout simplement.
Là, franchement, Sigismond, il n'y a rien qui fonctionne. On va te... Ouais, on va te foutre dans la cave. C'est dommage, on n'a pas de cave. Ce sera directement dans la terre. Bah ouais, mais bon, tu l'as cherché, mon pauvre biquet. Bon, si on oublie un peu la crasse de Wilhelm, le petit pont avec la glycine est juste beaucoup trop joli. Puis bien sûr, bah, c'est Enford on Begley, quoi. Regardez-moi ça. C'est magnifique comme environnement. Ah, on pourrait peut-être aller à la foire. En vrai, on pourrait peut-être se balader à la foire. Bon, il reste d'avoir des Sims pas très RP. Mais c'est pas grave, ça nous occupera. Ah bah carrément! Elle nous fait un concert. Pourquoi vous regardez par là? Vous regardez quoi en fait là? Bon, Anna, je pense pas que tu sois autorisée à regarder ce que la fille de tes patrons font. Hein. Et elle t'est un bon ben. Elle a l'air d'apprécier ce qu'elle mate ce que fait sa fille, sauf qu'elle la regarde pas. Elle la regarde avec l'oreille. Ah, j'ai compris. Tiens, pourquoi pas qu'elle se mette un peu à la peinture, notre petite guenièvre. Une petite toile à 50 en classique. Ses premiers skills en peinture. On va voir si Wilhelm a transmis son talent à sa fille ou pas. Bon, Wilhelm, il a un mal fou à rentrer chez lui, là. Entre l'odeur et la pisse. Ouh, purée de pommes de terre. Anna, regarde à cause de toi. T'as des trucs à faire, là. Réparer, à nettoyer, là. C'est les gamins qui le font. Non, mais... Ben voilà, une première toile pour Guenièvre à 57, Simflou. Ça, c'est notre petite alter qui l'a fait à 210. Dans le cadre des qualités personnelles pour nos enfants, vu qu'on doit en avoir dont une qui est le... Ben, l'empathie. Je vais faire du bénévolat à Guenièvre. Je vais l'envoyer faire une vente de gâteaux. Moi, je veux pas de cookie. Ah, bon, bah, manifestation contre une maladie, alors. Elle va aller faire ça, en espérant qu'elle gagne en empathie. Parce qu'elle est pas trop... Elle est pas trop mal, hein. Elle a la responsabilité au max, elle a les manières à peu de choses. Et l'empathie, en vrai, c'est ce qui pêche un peu. Mais c'est pas grave, qu'est-ce qui se passe encore? Si Gismond passe par une phase, hein, il pot de colle. Bon, bah, je pourrais faire ça encore à l'ours, hein. Donc, notre ami... Wilhelm prend son bain, il en a bien besoin. On n'aura pas été à Finch Week, je pense qu'à la foire, je veux dire. Parce que, ben, carrément pas le temps, quoi. Elle ne s'arrête plus, hein, notre amie Millie, hein. Oh, pas du tout, même. C'est elle qui l'a fait s'entraîner, c'est pas moi, hein. Mais elle kiffe tellement ça qu'elle continue, hein. Dommage pour nos oreilles, hein. Ah, bah, si Gismond, ça s'agit. C'est bien, il fait ses devoirs. Par contre, c'est quoi ce jouet voiture, sérieux, en fait? Ils y ont pas droit, je sais pas d'où il sort. Je suis en train de tilter là, mystère à boule de gomme. La petite opportunité, Guenièvre marche près d'un autre participant et remarque qu'il a l'air épuisé et n'arrive pas à terminer tout seul. Que doit faire Guenièvre? Lui donner un coup de main ou accélérer et l'ignorer? Bah, dans le cadre de faire de l'empathie, évidemment, on va lui donner un coup de main, quoi. Guenièvre se dirige vers le Sims âgé et le tire par le bras. Vous allez y arriver, allez, du nerf! Le Sims a l'air terrifié et trébuche. Guenièvre aurait peut-être pu avoir un peu plus de tact. Ah! Bah, ça pue alors. Guenièvre a perdu ses bonnes manières en tirant brutalement le marcheur par le bras. Purée, c'est pas possible. Mais comme même! Mais c'est vraiment pas de bol, moi je veux te dire! Ah oui, bon, ça, on n'a pas perdu beaucoup, quoi. Ouais, on n'a pas gagné un peu d'empathie non plus. Regardez-moi ça, soit Wilhelm qui fait la classe à ses enfants. C'est trop mignon. Là, qu'elle m'a cassé la gazinière maintenant. Mais c'est pas possible, celle-ci. Hein. Beaucoup d'activités artistiques aujourd'hui. Oh, elle nous fait un petit lama, notre petite Althea. C'est magnifique. Bon, par contre, arrête, parce que tu sais pas jouer. En bout d'un moment, va t'occuper, quoi. On est en fin de journée, mais... Bah, 22h déjà. Ça empêche pas Wilhelm de faire un peu de pantour. Tiens, tu iras manger après. Oh, oh, un chef-d'œuvre! Un chef-d'œuvre! Un chef-d'œuvre à 1569. En plus, demain, on est dimanche, on va pouvoir vendre toute notre prod. Génial. Le bénévolat, c'est amusant. C'est la forge de caractère. Et puis bon, c'est bon de se faire quelque chose pour les autres. Oh bah, c'est bien, ma petite. Même si t'as loupé tes bonnes manières, là. Bon. En tout cas, c'est bien. Parce que j'ai augmenté quand même son empathie, j'ai l'impression, quand même, un petit peu. Donc ça va, alors. Anna, tu fais quoi? Non, tu vas pas te coucher? Occuper des ordures, tout ça. Donner à manger à la chienne. Parce qu'elle, elle va bouffer dans les ordures. C'est pas possible, ça. Ça faisait longtemps qu'elle avait pas fait de conneries, aussi, celle-là. Et encore un chef-d'œuvre. Oh, purée, Althea. Et 717 pour un chef-d'œuvre pour notre amie. Et toi, tu... Attendez, elle est là. Elle nous fait une toile classique. Heureusement, Althea, parce que là, j'allais te défoncer. Crois-moi. Et les garçons, il est l'heure d'aller au lit.
sont mignons, ils ont fait leur devoir, ils ont lu un livre, maintenant c'est Dodo. Mais non, Althea nous a fait une œuvre d'art aussi. Seriously? 903. GG ma belle. Bravo ma petite Althea. Tu vas faire de la concurrence à ton mari, hein. Un couple d'artistes. Bon, eh ben, v'là du taf pour Anna. Encore. Mais il est 2h du mat. Mais qu'est-ce que tu fous? Mais dors. Mais c'est quoi ces gosses? Mais ils sont complètement tarés. Et c'est l'été, le solstice d'été, il est 6h30. Anna, je suis désolée, mais tu vas revenir, hein. Tu vas donner à manger au chien, enfin à la chienne, et tu vas servir le petit-déj. Et oui, c'est comme ça. C'est la vie que tu as décidé de mener. Voilà, le petit-déj est prêt. Des œufs, des toasts, ça fait du bien. Ben, qu'est-ce que tu veux faire, toi? Tu veux discuter avec la bonne? Pour la virer, peut-être. Ah oui, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est la fête parce qu'en plus nous allons fêter l'anniversaire de Mildred. Oh, bah dis donc, effectivement, va falloir lancer les invitations. Hein. Oh là là, oh là là, une deuxième ado dans la maison. Une petite toile, histoire de faire un petit peu de blé. Hein. On est dimanche donc on va pouvoir revendre tout ça. Sigismond, tu te fous de ma tronche un peu? Aïe 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 aïe. Où est papa? Où est maman? Maman, elle va venir t'engueuler, maman. Tu vas voir, hein. C'est pas parce que t'es blond que tu auras moins d'éducation. Tu vas discipliner, on va sévèrement hurler. Vas-y, continue, continue. Qui c'est qui te frappe à la porte? Oh, Caroline Robert. Robert. Ça pourrait être royal, mais j'ai pas inclus la royauté. Oh, après c'est pas bien grave, hein. Tabarnak, on change vite fait le nom de famille. Et puis ça nous fait une petite demoiselle qui pourrait peut-être être sympathique pour les garçons. Qui sait? Et l'autre, elle m'a cassé les... Pff, c'est pas possible. Oh, c'est une catastrophe, là, Anna. Hein, voilà, aïe, 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 aïe. Voilà, hein, c'est ce que je disais. Allez, vous avez raison, c'est l'heure pour l'anniversaire de la petite Mildred. Go! Ah, c'est la fête, hein. Tout le monde s'est bien habillé. Regardez comme ils sont tous mimi. C'est la fête, c'est la fête, c'est les enfants. Comment ça arrive? Et cette jolie demoiselle, c'est Lucie, c'est la fille de notre Blanchette, si je dis pas de conneries. Bon, niveau look, c'est pas ça. Mais c'est une mignonne petite blonde quand même, hein. Ça y est, ça commence à venir, même Sandor est là. Sandor, le cousin, le fils de Percy. Ils arrivent tous petit à petit. Oh non, commence pas à avoir tes chaleurs, toi. Hein. Le chien, il fait des conneries. La chienne fait des conneries. Encore, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oh, regardez qui est là, c'est Isobel. Bon, Isobel, elle a pris un peu de poids aussi, mais... Elle est là, et c'est l'essentiel. Ah là là, c'est la fête. Quel bonheur. Et cette belle rouquine là, bah, c'est notre Guenièvre. Hein. Regardez-moi ça, Madame Guenièvre. Lady Guenièvre, presque. Peut-être. Si vous la choisissez pour faire la génération senior, ce sera une Lady Guenièvre. C'est encore... Mais ils sont déjà en train de taper dans le gâteau! Mais Sandor, mais il est sérieux? Oh, c'est pas possible! Mais. Oh mon dieu! Bah vas-y, souffle tes bougies là! Souffle tes bougies, ma petite Millie, parce que là. Il va plus rester. À part les bougies, il n'y aura plus rien, quoi, bientôt. Happy birthday, Mildred! Que tu sois belle et. Pas trop laide, ma petite! Mildred, ouais. Où est-ce que t'as grandi d'ailleurs? Coquinette. Ah, elle est là, regardez-moi ces chaussures de qualité incroyable. Elle a des genoux, elle a des mollets, elle a des cuisses, elle a une jupe. Aïe, 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 aïe. Nous sommes dans le stress. Dans le stress, sera-t-elle belle ou pas belle? Oh, elle a de la poitrine, elle a des bras. Elle en a deux? Elle a deux bras et une main, c'est déjà pas mal. Et le reste, alouette. Ouh là là, les cheveux. Ouh là là, ouh là. Oh, oh. Mais qu'elle est mignonne. Bah écoutez, là comme ça, pour moi, c'est comme Althea. Ou voir comme Adélie. Hein, voilà. Pas trop trop de surprise. Elle est choupette. Mildred Avi, elle c'était donc déjà pitre. Son aspiration, pff, l'amour, allez. L'amour, toujours, l'âme sœur, évidemment, hein, voilà. Et comme deuxième trait, elle sera 1, 2, 3. Eh ben écoutez, elle sera extravertie, pitre extravertie, OMG, hein. C'est un sacré morceau, ça. Ah, oh, regardez comme elle est chou. Elle est mignonne. Elle est plutôt très mignonne, même, je dirais.
Ah ça, quand il y a de la bouffe au menu, il y a des Sims autour. Hein. Wait, wait, what is das? Ah oui, c'est vrai, c'est le fils de seigneur que j'avais invité. Bah écoute, il a l'air de kiffer la petite, hein? Il kiffe la petite Millie. Peut-être, peut-être pas. En tout cas, bon bah, je crois que je l'ai invité, donc on va le remercier. Hein. C'est sympa à lui d'être venu. Et non, il n'a pas été relooké encore. Hein. Voilà. Anna, tu vois bien qu'il y a une pile de vaisselle. Laisse tomber, hein. C'est ton taf là, de nous en débarrasser de notre vue. Merci, au revoir, à bientôt. Bon, il y a une contre-soirée ici, hein. Où ça joue. Oh, mais Isobel, qu'est-ce qu'elle a pris comme poids? C'est un truc de malade. Oh là là. C'est la fête ici, hein. Il y a tout le monde qui chante et tout. C'est un peu la Bérésina. On a une petite récompense de bronze, ce qui est pas fameux, fameux. Qu'est-ce que... Bah, Anna, c'est... Anna, elle est partie dormir, wesh. Mais dans le salon, en plus. Mais ça va pas bien, madame, hein. Non, mais quelle éducation. Franchement. Bon, pendant qu'on y est, je vais récupérer les deux toiles ici. À 221 et à 752. Oh, Willem, GG, hein, c'est plutôt pas mal. Et on va vider un peu ça. Sigismond, s'il te plaît, tu bouges de là. Laisse la domestique faire son pipi, quoi. Au bout d'un moment, voilà. Mais non, mais Althea, mais c'est pas possible, elle me fait quoi? Oh non, je suis sûre. Elle va me faire une peinture d'un Sims que je lui ai pas demandé. Tu vas finir en murée vivante, hein. Oh là là, Althea, tu m'as foutu sans Sims Plus pour rien, là. Heureusement qu'on a de quoi faire. Non, tu m'abandonnes. Tu m'abandonnes ça, s'il te plaît. Si tu veux, tu m'en fais une impressionniste en 75, mais pas plus. On va vendre nos biens, hein. Donc, c'est-à-dire que on est à 13 385. On amasse Thunas. On va pas se le cacher. Et on va vendre, donc, l'étoile que... Mais je veux pas savoir, moi. Non, 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 je veux pas voir les loups renards décédés. C'est pas possible, là, le jeu. Faut arrêter de me faire ça. Hein. Alors, nous avons 14 toiles. 14 toiles. Est-ce qu'il y en a une qui est sympa? Oh, oui, il y en a une ou deux qui est sympa. Tiens, celle-là, je l'aime bien. On va la garder. Hop, voilà. Et puis c'est bien. Donc, ça nous en fait 13. Pour 9930. Allez! On a 8 mini-toiles ici. Bof, non, aucune ne me plaît. Ça dégage. 3279. Et nous avons 6 grandes toiles. Eh bien, écoutez, on a déjà 4876. Ching, chling, chling, chling. On est à 31 470 influences. Bon, ben, je vais écouter, je vais voir ce qu'on doit au seigneur. Et puis, ben, ce sera pas mal comme ça. Nous avons donc fait un gain propre de 18 085 simflouz. Ouais, rien que ça, hein. Rien que ça. La part du seigneur se montant à 15%, ça équivaut à 2712 simflouz. Vous savez qu'il nous reste en montant total la jolie somme de 28 758. Voilà. Ah bah écoutez, hein, là, on est tranquille. Hein. Oh ouais, 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 bof. Et en plus, Althea nous a fait un chef-d'œuvre. Mais Althea, mais alors, pourquoi tu pleures, Althea? Puis c'est quoi cette œuvre, en fait? 814. Eh ben, ça commence bien pour la semaine prochaine. Ouais. Et t'as le Covid, t'as la lèpre, t'as quoi, là? Ça va pas du tout, ça. Bon, attention, Guenièvre, t'es hystérique, là. Je voudrais pas que tu meures, hein. Bon, par contre... Oh, ouais, Covid est deux. Allez, il est l'heure de vous coucher, les enfants, les garçons. Hein, merci, Guenièvre, pour ton aide. Ça fait pas la mince affaire. Toi aussi, tu vas être couché. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter pour aujourd'hui. N'hésitez pas, bien sûr, comme d'habitude, à mettre un petit like, à partager la chaîne sur tous les réseaux sociaux, notamment sur les groupes Facebook, pourquoi pas. Et puis, ben, activez la cloche. Et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures du Lord Anadi ou d'autres choses. Des bisous à vous. À très bientôt. Ciao, ciao.